Ok, Fouloulou le fantastique, voilà, moi c'est officier Ching, Amadou s'efface comme connaissance, F la femme à argent, à TC Kagban, à la Bourbon Kalombe. Voilà, je reviens un peu sur ma dernière vidéo que j'ai faite par rapport à Réchené. Voilà, j'ai reproché comme ça à Réchené que non, il n'a qu'à arrêter de parler du passé et de nous produire des sons pour vraiment faire rehausser le coupé décalé actuellement, en tout cas en train de mourir. Voilà, on ne va pas parler toujours du passé, vous comprenez non? Voilà, et les gens rentrent en commentaire, ils disent non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. On a. Hé, Réchené, tu es arrangeur, tu es musicien, tu es chanteur. Avec toutes ces cordes à ton arc, avec toutes ces potentialités que tu n'as pas passé ton temps en train de revenir encore sur le passé. Moi, ils disent tu es en train de faire miracle pas, ou bien tu es en train de te justifier. Alors qu'actuellement, en tant qu'un artiste, n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Quand tu as quitté la Yorogang, là, c'est pour un objectif bien précis. Alors, c'est pourquoi je t'ai dit, c'est pas parler en malin, j'ai dit, prends ton chapeau de Judas qu'on t'a donné là, porte, quel que soit le nom, l'appellation qu'on te donne là, supporte parce que tu, quel que soit ce que tu vas faire, c'est ce qu'ils vont te reprocher. Et tes fanatiques sont là. Donc moi, personnellement, je suis un fan, étant un artiste bien sûr, parce que j'ai aimé en tout cas pratiquement tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Ce que je déplore d'ailleurs, je n'aime pas. Donc, je parle parce que le coupé décalé va mal. Pourquoi le coupé décalé va mal? Tu as été même primé pour ça. Voilà, l'espoir, tu réincarnais l'espoir du coupé décalé. Voilà, la nouvelle génération. Mais où en sommes-nous actuellement? Où en sommes-nous? Donc, on n'a qu'à arrêter de se voiler la face. Voilà, le coupé décalé en peine. Et c'est pas en parlant de qui a fait quoi que ce soit dans la Yorogang. Si tu as donné 150 000 francs à Yuto Rouge pour quoi que ce soit, non, ça me parle les couilles de ça. Ce que nous on veut là, c'est le coupé décalé. Ce que nous on veut là, le coupé décalé. Il faut que le coupé décalé encore rayonne. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut rester le coupé décalé. Hein? Yo, avec la main sur le cœur, on regrette le décès de Yorobo. Mais le coupé décalé là, Doug Saga est venu, il a fait son temps. Arafat est venu là, il l'a fait pour lui, je pense bien. Voilà, c'est pourquoi Dieu l'a rappelé. Donc nous qui sommes encore sur la terre des hommes là, et le coupé décalé là, on a influencé toute l'Afrique même avec le coupé décalé. Mais actuellement, c'est les Naïdja qui tuent. Mais attends, les artistes ivoiriens, là, les coupés décalés, il y a quoi? En tout cas, toi, Réchené, tu réincarnais, tu étais vraiment l'espoir. Mais attends, si toi, tu as passé ton temps à parler du passé, dis, supporte le chapeau de Judas qu'on t'a donné, quelle que soit l'appellation qu'on te donne. Prends ça et puis produis-nous des sons. Laisse le passé au passé. Envoie-nous des sons non, qui vont nous faire oublier tout ça. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de les gens, nul a fait un, Allo Jaguar, tout cela. Et on est dans le coupé décalé. C'est la musique ivoirienne qui est dans le problème à l'air là. Et puis vous dormez. Vous parlez de quelqu'un qui n'est pas là, qui vous assiste, qui vous a laissé le tapis, qui vous a laissé le micro, qui vous a laissé la scène. Mais vous avez fait vous faites quoi de cette scène qui vous a laissé? On va faire quoi de cette scène que Yorobo nous a laissé? Et quand Bob Marley est mort là, le reggae n'est pas mort. Hein. La preuve en est que Alpha Blondy là, il a tué jusqu'à aujourd'hui. Tiken Jah, il a confirmé. Ok. Donc là, on a déjà trouvé une date pour Yorobo. On va célébrer ça. Mais en attendant qu'on va dire 12 de l'année prochaine, là, il faut que le coupé décalé encore prend encore de l'ampleur. C'est très important. Ça dort. Ça dort. Ça dort. Les sons comme ça là, il faut laisser ça. Réchené, je te connais que ça. Il est fou en ça. Il sait de quoi il parle. Donc sors-nous des sons pour nous faire. Yes. Tu connais? Fais-nous décaler, fais-nous couper, fais-nous sagacité là. Il y a quoi? Donc sur ce, pour tous ceux qui vont venir en commentaire raconter leur vie là, moi là, je sais de quoi il parle. Voilà, peut-être on n'a pas la même vision de la musique ivoirienne. Mais moi, surtout le coupé décalé, là, c'est pas comme ça qu'ils voient le coupé décalé. Voilà. Et surtout ceux qu'on dit qui sont vraiment
les précurseurs qui sont vraiment les espoirs du coupé décalé vont passer leur temps en train de se justifier dans les chansons. Ça, c'est pas musique. Arrête chaîner, fais-nous sortir des sons. Voilà, fais-nous sortir des sons qui vont nous faire vraiment sentir Bagnès. C'est que si nous on est sérieux comme Serena Williams, mais hey, on veut des sons. Voilà, c'était Officier Ching. Merci, si tu as aimé, il faut partager à ton voisin. Lui aussi va partager à son voisin, ainsi de suite. Ok? Voilà. Et j'arrive. Je suis toujours en route. C'est vous, j'attends seulement. À la Broban Kalombe, quoi. Ching, Akina.